trois présidents de commission et quatrième commission, qui est la commission à affaires FAMIO, qui a recevoir le ministre affaires étrangères là, jeudi. Nous avons recevoir lui suite à une invitation que nous lancé à trois ministres, ministre affaires étrangères, ministre de la justice, ministre intérieur, sur question problème compatriotes haïtiennes et haïtiens ont fait face au Chili. Plus de 50 000 haïtiens qui, suivant l'information que nous avons, en situation irrégulière, parce qu'ils n'ont pas gagné soit passeport valide, ils n'ont pas gagné casier judiciaire, ils n'ont pas gagné pièce d'identification, j'en législation, la loi dans le pays Chili exige ça. Et j'en connais, ils n'ont pas eu un délai jusqu'à la fin du mois de juillet pour mettre en règle, sinon ils ont déporté vous en Haïti. Nous avons avec le ministre, comment ça y est, qui est information que nous avons. Nous avons information, nous avons compatriotes qui ont besoin de certificat bonne vie et merci. Ils sont obligés de payer 80 dollars américains pour gagner un certificat. Le ministre vient de nous information, partager des informations avec nous. Fait qu'on ait plus de 2000 demandes de certificat bonne vie et merci qui pendant au niveau de l'ambassade haïtienne dans le Chili. Et demande ça, il y a traité au cas par cas. Mais Haïti, il y a un rôle pâle pour le jouer là-dedans. Lundi Haïti, nous voulons parler de trois ministères, Affaires étrangères, Intérieur et ministère de la Justice, qui sont ministères de tutelle, direction centrale, police judiciaire. Ministre, fait nous connaître des décisions que vous avez déjà prises. Décision sous question 80 dollars là. À partir de jeudi à même, ministre exigeait à ce que l'équipe de l'ambassade de la USA à la baisse. Côté exigeait, le DG Mounio 25 dollars, même gens. République dominicaine demande 25 dollars par rapport à traitement, ça prend et transport pour pièces à venir en Haïti pour le tourner au Chili. Ministre qui est en prend décision ça a déjà et nous dit bravo à ministre qui était à l'écoute de compatriotes nous le Doha. Maintenant, il y a besoin de pièces puisqu'il y a venu en Haïti, faut que des CPJ traité, faut que ministère intérieur via direction immigration et émigration les traiter question passeport yo, nous prêt obligé lancer un autre appel à deux ministères Sayo Punchita de manière à ce que synergie que nous avons besoin entre l'État dans l'État, entre diverses instances, divers ministères Sayo nous capables de joindre pour que pièces Sayo capables de arriver à joindre citoyens haïtiens et haïtiennes qui dans terre Chili captent de pièces. L'axis nous connaît qui gagne dans service dans l'État et nous le ministre li très préoccupé et li prend ça très au sérieux. Mais nous demandons pour avoir une task force, pour avoir un chita balé en différents services, donc immigration, affaires étrangères et justice, de telle sorte que nous sommes capables d'aller plus vite que possible et fait que délai que nous gagnons jusqu'à la fin du mois de juillet, et bien délai ça, nous pas quitter les rivières à terme avant que nous fournissions pièces à nos compatriotes. Nous avons même exigé que nous fassions le plus urgent que possible. Ça veut dire si son dossier que vous avez traité, par exemple, dans 5 jours, pour essayer de traiter le plus rapidement possible, parce que déjà, il y a une grosse quantité de monde dans le Chili qui a fait demande, et il y a de l'autre monde qui a venu toujours. Donc, nous croyons que, je dis, l'État sont seuls liés. Nous saluons la dynamisme de ministre Rodrigue, et nous croyons que l'autre ministère est prêt à l'aligner, parce que compatriotes, nous, qui l'autre bois, nous t'arrêmer que yo joue une pièce qui est nécessaire pour que yo capable répondre à exigence légale que le pays Chili fait. C'est la jeunesse qui partit, c'est la jeunesse qui a formé tête, c'est la jeunesse qui a cherché le travail. Et ça, le mandat de l'État, c'est que l'État maintenant remplit une série de devoirs que l'État a gagné pour remplir. C'est-à-dire mettre à disposition des pièces. Je pense que la présence ministre là avec votre ministre, nous-mêmes dans le Sénat, nous prenons ça très au sérieux. Le ministre Antonio Rodrigue qui l'a affaire étrangère, comme lui c'est une partie de l'équipe là, pour nous allons travailler avec l'autre derrière pour au moins nous bailler le plus rapidement possible, satisfaire à jeunesse qui demandait une bagaille que l'État doit bailler. Les Haïtiens au Chili, qui jouent aujourd'hui, qui ont besoin de régulariser la situation. Parce que je me connais que le gouvernement chilien, le nouveau gouvernement, il prend de nouvelles mesures. Côté d'une part, il demande pour Haïtiens qui après entrer au Chili, il faut avoir un visa, soit un visa comme pour rester comme touriste, pour venir visiter comme touriste, soit un visa
priorité si au besoin de travail. Et encore, notre troisième visa, ou le visa humanitaire de regroupement familial, pour que les gens qui vivent l'autre bon déjà, ils sont capables de rechercher famille, madame, mari, petite. Donc, dans le cadre de ça, les gens qui sont déjà au Chili, nous avons plus de 100 000 Haïtiens qui vivent au Chili, le gouvernement chilien a décidé de résidence, régulariser la situation. Et pour faire ça, ils ont conseillé de pièces, ils ont demandé, tant que le sénateur, sénatus dit, ils ont besoin de passeport, ils ont besoin d'acte de naissance, ils ont besoin de carte signe, et surtout, ils ont besoin d'un casier judiciaire. Parce que le besoin qu'on ait moun nan, yo wap al fè, permettre d'être dans le pays. Hein. Moun sa son moun qui gen bonne vie et mœurs, moun sa pa gen aucun antécédent judiciaire. Donc, c'est ainsi que moun yo, connaît leur moun à l'étranger, yo besoin yon pièce, yon document de l'État, c'est dans l'ambassade ou soit dans le consulat pour lui demander, parce que service à là, justement, c'est une sorte de prolongation des services publics et dans le pays. Donc, il y a été fait demande, il y a plus de 2000 qui fait demande pour caser judiciaire là, mais trouver que il y a tout un processus pour le faire. Pour commencer, il y a un processus de prise d'empreinte. Il faut qu'après empreinte, il faut un peu de l'enfait de façon très technique, très scientifique. Donc, il a été commencé à faire là avec un tampon, côté où fait mon âme et doit être sous tampon. Hein. Mettez son papier, posez son papier, mais il n'est pas bon. Et la police chilienne t'a demandé pour refaire à partir d'un appareil spécial. Donc, appareil spécial, l'ambassade a été commandé, mais il prend un temps pour le venir, parce que son appareil, c'est juste aux États-Unis, obligé de commander. Et la police chilienne, dans la négociation que l'ambassade a gagné avec la police chilienne, les policiers ont accepté de prêter l'ambassade en attendant, ils ont appareil côté et en prête mon nom. Donc ça a commencé fait depuis jeudi d'hier, haïtien ou là-bas, commencé à prendre empreinte de façon électronique, côté information sale directement à la police chilienne, et que eux-mêmes ont pris le bail, ils ont un document que. À partir de là, il pourra le voyer ici en Haïti à la DCPJ, pour DCPJ capable de faire recherche à partir des empreintes. Donc, il y a grand pile parlé qui fait dans la presse, dans les réseaux sociaux, sur le coût que l'ambassade a demandé et Mounio pour ce papier-là, pour papier de casier judiciaire. Il a demandé $80, c'est vrai. Mais la raison qui fait l'ambassade a demandé $80, il était ouais que le coût pour envoyer en Haïti par courrier express, étant donné que il y a envoyé par volume, donc ça vient faire ça aurait une économie d'échelle. Donc à partir de discussions nous avons avec nos représentants au Chili, nous faisons comprendre que ça diminue le coût. Hein. D'autant plus que d'autres pays, tant que la Colombie, la République dominicaine, le Pérou et Venezuela, yo même coup pa yo li moindre. Donc c'est ainsi que nous arrivé mettre coup de Manza à $25 au même niveau que République dominicaine mandine et que les colombiens mandé.